only two choices of how the world got here. Il y a juste deux possibilités sur comment le monde est apparu. The laws of thermodynamics say matter cannot create or matter cannot be created or destroyed. Les lois de la thermodynamique nous disent que la matière ne peut ni être créée ni être détruite. Which means either somebody made the world. Et donc ça signifie que ou bien quelqu'un a fait le monde, or the world made itself. Ou le monde s'est fait par lui-même. There is no other choice. Il n'y a pas d'autre choix. Well, there are a few crazy people out there. Maintenant, il y a certaines personnes un petit peu illuminées autour. They will tell you, we're not really here at all. We just think we're here. Ils vont dire, on n'est pas vraiment ici. On fait juste penser qu'on est ici. We are here. J'aimerais vous dire, nous sommes ici. So either somebody made the world. Ou bien quelqu'un a créé le monde. The Bible says God did it. Et la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa. Or the world just made itself. Ou bien le monde s'est produit par lui-même. This is an interesting word. Le mot univers, c'est un mot qui est très intéressant. Uni means single. Le mot uni veut dire unique. And verse means a spoken sentence. Et le mot vers veut dire une phrase qui est prononcée. We live in a single spoken sentence. Et donc nous vivons dans un univers, c'est-à-dire dans un quelque chose qui a été créé par une seule phrase. God spoke the universe into existence. Et la Bible nous dit que Dieu a parlé et il a créé l'univers. He did not lift one finger to make this place. Dieu n'a pas eu besoin de lever même le petit doigt pour créer là où nous vivons. That is a powerful thought. Et ça, c'est une pensée extrêmement puissante. It's evolution theory. Et donc, nous allons parler encore un petit peu plus de cette théorie de l'évolution. The second law of thermodynamics tells us everything tends toward disorder. La deuxième loi de la thermodynamique nous dit que tout tend à être désorganisé. If you leave things alone for a while, they will fall apart or rot or rust or die. Et si vous laissez les choses à elles-mêmes, elles vont se détériorer, elles vont se décomposer, elles vont pourrir. Nothing gets better by itself. Y a rien qui s'améliore juste par lui-même. The Bible teaches that. Et la Bible nous enseigne ça. Says the heavens are the works of thy hands, they shall perish. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains et ils périront. They wax old as doth a garment. Ils s'useront tous comme un vêtement. Nothing gets better by itself. Il n'y a rien qui s'améliore juste par lui-même. Look at your hairdo when you wake up in the morning. Regardez votre peignure, votre coupe de cheveux quand vous vous levez le matin. You will understand. Vous allez comprendre. Nothing gets better by itself. Il n'y a rien qui s'améliore juste par lui-même. Here is Sue at 20. Et voici Sue à l'âge de 20 ans. Here is Sue at 90. Et voici Sue à l'âge de 90 ans. Things do not get better with time. Les choses ne s'améliorent pas avec le temps. And here is Sue at 3000. Et voici Sue à l'âge de 3000 ans. Nothing gets better by itself. Il n'y a rien qui s'améliore avec le temps tout seul. The textbooks, though, say we are getting better. Mais les manuels scolaires disent qu'on s'améliore constamment. It says humans probably evolved from bacteria. Et les manuels scolaires disent que les humains ont probablement évolué à partir des bactéries. This textbook shows the kids a fossil starfish. Ce manuel scolaire montre aux enfants une étoile de mer fossilisée. They say 3.4 billion years ago, the early ancestors of the remains of the early ancestors of modern human beings. Puis le texte dit il y a 3,4 milliards d'années, voici les restes des anciens ancêtres de l'humain moderne. Was your great 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 grandfather a starfish? Est-ce que votre arrière 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 grand-père était une étoile de mer? Here's Discover magazine. Et voici le magazine Discover. Says, was your ancestor a sea sponge? Est-ce que votre ancêtre était une éponge de mer? This is your ancestor. Et un autre magazine dit, voici votre ancêtre. A sponge? Une éponge. Who's your daddy? Qui est votre père? This is my brother. Please do not laugh. C'est mon frère. S'il vous plaît, ne riez pas. Notice what the textbook says. Remarquez ce que le manuel scolaire dit. 30 million years ago, il y a 30 milliards d'années,
Let me translate that for you. Laissez-moi traduire cette petite phrase. When a book says millions of years ago, quand un livre dit il y a des milliards d'années, it means long ago and far away. Et ça veut dire il y a longtemps et c'est très éloigné. It means a fairy tale is coming next. Il y a un conte de fées que vous êtes sur le point d'entendre. Il y a 30 milliards d'années, ces créatures ont évolué. They are ancestral to both humans and modern apes. Et ils sont les ancêtres à la fois aux humains et aux singes modernes. Ancestors to humans? Et ce sont les ancêtres des humains. Grandpa? Hey, grand-papa? What big eyes you have, grandpa? Hey, grand-papa, tu as des grands yeux. This lady said, "Your kids go ape in school." Et cette journaliste dit, est-ce que vos enfants se comportent comme des singes à l'école? Here's why. Voici pourquoi. He's being taught evolution. On enseigne à votre enfant l'évolution. In the 1950s in America, dans les années 1950 aux États-Unis, the average textbook had 2,000 or 3,000 words about evolution. Le manuel scolaire moyen avait entre 2000 et 3000 mots au sujet de l'évolution. They did not talk about it very much. Ils n'en parlaient pas vraiment beaucoup. In 1957, the Russians beat the Americans in the space race. En 1957, l'URSS a battu les Américains dans la course pour aller dans l'espace. And people panicked all over the world. Et les gens ont vraiment paniqué partout à travers le monde. People were building bomb shelters. Les gens se fabriquaient des abris anti-atomiques. There was a great fear of nuclear war. Il y avait une grande crainte d'un holocauste nucléaire. In 1959, it was the 100-year anniversary of Darwin's book being printed. En 1959, c'était le 100e anniversaire du livre de Darwin, L'origine des espèces. Some people said the Soviets are ahead of the Americans in science. Et certaines personnes ont dit « Les Soviétiques sont en avance sur les Américains dans le domaine scientifique. » Because the Soviets are teaching evolution. Parce que les Soviétiques enseignent l'évolution. What does evolution have to do with putting up satellites? Et quel est le rapport entre l'enseignement de l'évolution et le fait de lancer des satellites? And nothing. Ça n'a rien à faire. But in 1959, President Eisenhower asked Congress for $1 billion. Mais en 1959, le président Eisenhower a demandé au Congrès $1 milliard to put more evolution into the textbooks. Afin de pouvoir incorporer davantage d'évolution dans les manuels scolaires. All of the American textbooks were rewritten in the late 50s and early 60s. Et tous les manuels scolaires ont été réécrits dans la fin des années 50 et au début des années 60. They called it the Cold War reconstruction of American science education. Et ils ont appelé ça de Cold War? La guerre froide de la reconstruction de la science des sciences dans l'éducation américaine. By 1963, the average textbook had 33,000 words about evolution. Et lorsqu'on arrive en 1963, en moyenne dans les manuels scolaires, il y avait environ 33,000 mots qui enseignaient l'évolution. Prayer was taken out of the school system. En 1963, la prière a été exclue de notre système scolaire. In 1963, we began to see a great rise in premarital sex for every age group. En 1963, on peut voir dans les courbes une grande augmentation dans le fait d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. We saw a great rise in sexually transmitted diseases. Et il y a eu une grande augmentation aussi dans les maladies transmises sexuellement. This is for 10 to 14 year olds.
Et ça, c'est pour les enfants de 10 à 14 ans. We saw a great rise in unwed birth rates. Et aussi, également, il y a eu une grande augmentation des naissances hors mariage. There's been a 500% increase in pregnancies. Il y a eu une augmentation des grossesses de 553%. Most of them are being aborted. Mais malheureusement, la plupart de ces grossesses se sont terminées par un avortement. There's been a 725% increase in unmarried couples living together. Et il y a eu une augmentation de 725% dans les couples qui cohabitaient. There's been a tremendous rise in divorce rates. Il y a eu une augmentation effrayante dans le taux de divorce. Child abuse is up 2300%. Et également, l'augmentation dans l'abus des enfants était de 2300%. Illegal drug use up 6000%. L'usage de drogue illégale a augmenté de 6000%. Violent crimes almost 1000%. Et les crimes violents, une augmentation de presque 1000%. SAT scores have dropped terribly in the last 40 years. Dans les dernières 40 ans, le résultat des tests académiques a baissé dramatiquement. They have made the test dumber twice. Et ils ont rendu les tests plus simples à deux reprises. Teen suicide rate has gone crazy. Et le taux de suicide chez les jeunes a explosé. Si la grenouille devient rapidement un prince, on sait tous que c'est un conte de fées. But if the frog turns to the prince slowly, mais si la grenouille devient un prince lentement, that's modern science. Ça, c'est la science moderne. No, it is still a fairy tale. Non, c'est encore un conte de fées. They have a new magic ingredient. Ils ont un nouvel ingrédient magique. It is not a kiss. C'est pas un baiser. It is billions and billions of years. C'est des milliards et des milliards d'années. How many have ever heard this idea before? Combien d'entre vous avez déjà entendu cette idée auparavant? It is in textbooks all over the country. C'est dans des manuels scolaires à travers tout le pays. They teach the earth is millions or billions of years old. Et ils enseignent que la Terre est âgée de milliards et de milliards d'années. Here's a fourth grade textbook. Voici un manuel de quatrième année. It says millions of years ago. Et ça dit il y a des millions d'années. If someone ever says this to you, maintenant si quelqu'un vous dit cela, you should ask them a question. Vous devriez lui poser une question. Just say, were you there? Posez-le la question. Est-ce que tu étais là? They will say, no, of course I was not there. Et ils vont vous dire, bien non, bien entendu, je n'étais pas là. Then say, do you know the earth is millions of years old? Et vous allez leur poser la question, est-ce que vous savez vraiment que la Terre a des millions d'années? Is this really part of science? Est-ce que c'est vraiment une partie de la science? Or is this just something you believe? Ou est-ce que c'est simplement quelque chose que vous croyez? They will say, everybody believes the earth is millions of years old. Et ils vont dire, tout le monde croit que la Terre a des milliards d'années. First place, no, they don't. Et premièrement, c'est pas vrai que tout le monde croit ça. Second, even if they did, that still would not make it true. Et même si tout le monde le croyait, ça ne ferait pas que cela serait vrai. But even if a bunch of scientists believe something, that does not make it true. Mais même si tout un groupe d'hommes de science croit quelque chose, ça ne fait pas que ça c'est vrai. The scientists used to teach the planets go around the earth. Et dans le passé, les hommes de science enseignaient que les planètes tournaient autour de la Terre. They used to teach a big rock will fall faster than a little rock. Ils enseignaient aussi qu'une grosse roche allait tomber plus rapidement qu'une petite roche. That was taught for 2000 years in ça, the schools. Ça a été enseigné dans les écoles pendant 2000 ans. And it's not true. Et c'est pas vrai. They used to teach if you're sick, you have bad blood. Et ils avaient l'habitude d'enseigner aussi si vous êtes malade, c'est parce que votre sang est mauvais. They said if you take out your blood, you will get better. Si vous faites une extraction de votre sang, vous allez vous sentir mieux. There were special places to get your blood taken out. Et il y avait des endroits spéciaux où on pouvait faire une saignée. You could tell where they were. Et on pouvait savoir exactement où étaient ces endroits-là. They had a white pole with a red stripe around it. Ils avaient un poteau
avec une ligne rouge qui tournait sur le poteau. The barber was the bloodletter. Et le barbier, c'était lui qui procédait à la saignée. While they were bleeding George Washington to death, et ils ont saigné George Washington jusqu'à ce qu'il en meure. Right beside him was a Bible. Et juste à côté de lui, il y avait une Bible. It said, "The life of the flesh is in the blood." Et dans la Bible, c'est écrit que la vie de la chair est dans le sang. If they had only read that verse, s'ils avaient seulement lu ce verset, he might still be alive today. Peut-être qu'il serait encore vivant aujourd'hui. Well, he would have lived longer. mais il aurait vécu plus longtemps, en tout cas. The world's population crossed the 6 billion mark. En 1999, la population mondiale a dépassé la barre des 6 milliards de personnes. In 1985, there were 5 billion people on the earth. En 1985, il y avait 5 milliards de personnes sur la Terre. In 1800, there was only 1 billion. Dans les années 1800, en 1800, il y avait juste 1 milliard de personnes sur la Terre. Everybody agrees with these numbers. Tout le monde est d'accord avec ces chiffres-là. And everyone agrees the population is growing rapidly. Et tout le monde est d'accord qu'il y a une augmentation rapide de la population. But the world is not overcrowded. Mais la Terre n'est pas surpeuplée. Have you driven across Quebec? Est-ce que vous avez déjà fait un voyage à travers la province de Québec? The world is not overcrowded. J'aimerais vous dire que le monde n'est pas surpeuplé. The whole world's population today would fit inside Jacksonville, Florida. Savez-vous que la population de la Terre entière pourrait se tenir debout à l'intérieur des limite de la ville de Jacksonville, en Floride. That one city has 25 billion square feet. Cette ville-là, elle a une superficie de 25 milliards de pieds carrés. The world is not overcrowded. Le monde n'est pas surpeuplé. Just drive across Texas. Faites juste une randonnée à travers l'État du Texas. Or New Mexico. Ou à travers le Nouveau-Mexique. Or Alberta. Ou à travers l'Alberta. The world is not overcrowded. Le monde n'est pas surpeuplé. If it's overcrowded where you are, si c'est surpeuplé là où vous habitez, move. Déménagez. Go someplace else, okay? Back when Jesus was here, the world's population was about a quarter of a billion. À l'époque où Jésus a vécu sur cette terre, la population de toute la planète c'était à peu près un quart de milliard. The population growth curve started about 4,400 years ago. La courbe des populations a commencé 4,400 years ago. Il y a à peu près 4,400 ans de ça. That's when 8 people got off of Noah's Ark. Ça, c'est quand 8 personnes sont sorties de l'arche de Noé. If man had been here for billions of years, si l'homme avait vécu sur la Terre depuis des milliards d'années, or even 3 million years, like the textbook says, ou même 3 millions d'années, comme les manuels scolaires le disent, there would be 150,000 people per square inch. Il y aurait 150 000 personnes par pouce carré. That would be crowded. Ça serait très serré. The moon is going around the earth. La lune tourne autour de la Terre. How many knew that already? Combien d'entre vous saviez ça déjà? As the moon goes around the earth, it is slowly getting farther away. Et alors que la lune tourne autour de la Terre, elle s'éloigne tranquillement de la Terre. It is leaving us about 10 centimeters a year. Et ça s'éloigne de nous à peu près de 10 centimètres par année. Now this is going to be complicated. Maintenant, ça va être compliqué ce que je vais dire. The moon is getting farther from the earth every year. Et donc la lune s'éloigne de la Terre à chaque année. So that means it used to be closer. Ça veut dire que dans le passé, elle était plus proche. How many can understand this so far? Combien vous pouvez comprendre ça jusqu'ici? Well, if you bring the moon in closer, you create a problem. Maintenant, si vous rapprochez la lune de la Terre, vous créez un problème. Because the moon causes the tides. Parce que la lune, elle produit les marées. You folks in Montreal probably do not worry about the tides. Vous ici à Montréal, probablement vous vous inquiétez pas des marées. But in Pensacola, you worry about the tides. Mais j'aimerais vous dire que nous à Pensacola, on est très préoccupés par les marées. If you bring the moon in closer, the tides are much higher. Si vous rapprochez la lune de la Terre, ça veut dire que la marée est beaucoup plus forte. There's a law called the inverse square law. Il y a une loi qui est appelée la loi du carré inversé. If you brought the moon to one third the distance, si vous rapprochez la lune d'un tiers de sa distance, you take one third and flip it over,
Vous prenez un tiers et vous l'inversez. And square it. Et vous le mettez au carré. That's nine times the gravitational pull. Ça veut dire que l'attraction gravitationnelle est augmentée de 9 fois. If you calculate all this, all the mathematics on this, si vous calculez toutes les mathématiques de ça, about 1.4 billion years ago, the moon was just above the surface of the Earth. La Terre, ça voudrait dire qu'il y a à peu près 1,4 milliard d'années, la Lune était complètement par-dessus la Terre. La Bible nous dit que les cieux déclarent ou proclament la gloire de Dieu. Evolution says sun and stars came before the earth. Les évolutionnistes disent que le soleil et les étoiles sont arrivés avant la terre. The Bible says he made the earth and then the sun and stars. Mais la Bible nous dit que Dieu a créé la terre, ensuite il a créé le soleil et les étoiles. Everything about the evolution theory is backwards to the Bible. Tout ce que la théorie de l'évolution nous dit est inversé par rapport à ce que la Bible nous dit. The Bible says man brought death into the world. La Bible dit que l'homme a amené la mort sur la terre. Evolution says death brought man into the world. Mais les évolutionnistes disent que c'est la mort qui a amené l'homme sur la terre. The Bible says God created man. La Bible dit l'homme, Dieu a créé l'homme. Evolution says man created God. Mais les évolutionnistes disent l'homme a créé Dieu. These theories are exactly the opposite. Ces deux théories sont complètement opposées l'une à l'autre. Et ça ne prend pas beaucoup de temps non plus pour que des choses se pétrifient. Here is petrified firewood. Et voici ici du bois de chauffage pétrifié. Here's a dog, a petrified fish giving birth. Et regardez ici, il y a un poisson qui est pétrifié et ce poisson-là est en train de mettre au monde un petit. It does not take millions of years to give birth. Ça prend pas des millions d'années pour mettre au monde. Here's a petrified cowboy boot with the cowboy's leg still in it. Et ici, on voit une botte de cowboy pétrifiée avec la jambe du cowboy encore dedans. The Mississippi River is depositing 80,000 tons every hour. Et la rivière Mississippi, elle dépose 80 000 tonnes de boue, de débris à chaque heure. The delta is growing larger and larger. Et au bout du Mississippi, il y a un delta qui devient de plus en plus gros. Scientists say it's about 30,000 years worth of mud out there. Et les hommes de science calculent la grosseur du delta et ils disent qu'il y a à peu près 30 000 ans pour accumuler, il faut à peu près 30 000 ans pour accumuler toute cette boue dans le delta. I have a question. J'ai une question. If the Earth is millions of years old, si la Terre a des milliards d'années, why isn't the whole Gulf of Mexico full of mud? Pourquoi est-ce que le golfe entier de Mexico n'est pas rempli de boue? I have a theory about this. J'ai une théorie à ce sujet-là. About 6,000 years ago, God made everything. Il y a à peu près 6,000 ans de ça, Dieu a tout créé. 4,400 years ago, there was a flood. Et il y a 4,400 ans, il y a eu un déluge. As the flood water was running down, et quand l'eau du déluge est en train de s'écouler, about half of that mud washed out there in 20 minutes. Et à peu près la moitié de la boue qui compose le delta s'est accumulée en 40 minutes. Here's a picture of the oldest tree in the world. Ça, c'est une photo du plus vieil arbre sur la terre. It is bristlecone pine. C'est une sorte de pin. It grows very slow. C'est un arbre qui grandit très très lentement. It is 4,300 years old. Et cet arbre-là, on évalue qu'il a 4,300 ans. I have a question. J'aimerais vous poser une question. If the Earth is millions of years old, si la Terre a vraiment des millions, des milliards d'années, why is the largest, oldest tree in the world only 4,300? Pourquoi est-ce que l'arbre le plus vieux qu'on peut trouver sur la Terre a juste 4,300 ans? I have a theory about that. J'ai une théorie à ce sujet-là. About 6,000 years ago, God made everything. Il y a à peu près 6,000 ans, Dieu a tout créé. And 4,400 years ago, there was a flood. Et il y a 4,400 ans, il y a eu un déluge.
So I predict the oldest tree will be less than 4400 years old. Et donc je prédis que le plus vieil arbre sur la terre devrait avoir moins que 4400 ans. This is a picture of a coral reef. Ça c'est une photo d'un récif de corail. The largest reef in the world is off the coast of Australia. Et le plus grand récif de corail se trouve tout près de la côte de l'Australie. I went to preach in Australia years ago. Et je suis allé prêcher en Australie il y a plusieurs années de cela. My daughter went with me. Et ma fille est allée en Australie avec moi. We got to go scuba diving at the Great Barrier Reef. Et on a pu aller faire de la plongée sous-marine au récif de corail qu'on appelle le récif de corail de la Grande Barrière. It was incredible. Et c'était vraiment extraordinaire. During World War II, some of the reef was destroyed by bombs. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a une partie du récif qui a été détruite par des bombardements. So they went out to see how fast it grows back. Et ils sont allés voir le récif pour voir à quel avec quelle rapidité il se reconstitue. They watched it grow for 20 years. Et ils ont examiné la croissance du récif pendant 20 ans. And said it's probably less than 4200 years old for the entire reef. Et ils ont évalué que le récif de corail a moins de 4200 ans. Well, then I have a question. Alors j'ai une question. Why don't we have a bigger reef someplace if the earth is billions of years old? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas un plus gros récif de corail quelque part si la Terre a vraiment des milliards d'années? Why would the biggest reef be 4200 years old? Pourquoi est-ce que le plus gros récif aurait 4200 ans? I have a theory about this. J'ai une théorie à ce sujet-là. I think you know what it is. Je pense que vous connaissez ma théorie. This is a picture of Niagara Falls. Et ça c'est une photo des chutes Niagara. The textbook says it is 9900 years old. Et les manuels scolaires nous disent que les chutes Niagara ont 9900 ans. How do they know that? Comment est-ce qu'ils peuvent savoir ça? Oh, the rocks are breaking off the edge. Ils savent ça parce que la roche sur le bord de la chute se détache tranquillement. All waterfalls do this. Et toutes les chutes d'eau font cela. It is moving back about 1.5 or 6 meters a year. Et la chute, elle recule d'à peu près 1.6 mètres par année. When Charles Lyell went there in 1841, quand Charles Lyell s'est rendu au chute Niagara en 1841, he said, "Well, Niagara Falls is here." Il a dit, "Eh bien, les chutes Niagara sont là." It obviously started at the cliff. Et évidemment, les chutes ont commencé là où il y a la falaise. And it's moving back. Et la chute recule. He said it was 10,000 years old. Et il a dit, cette chute-là, elle a 10 000 ans. The people who lived there said, "Oh, it erodes much faster than that." Et les gens qui habitent proche des chutes Niagara ont dit, non, l'érosion est beaucoup plus rapide que ça. Today, Niagara Falls is way back on this island. Et aujourd'hui, les chutes Niagara Falls sont là-bas, proche de cette île. Actually, two Niagara Falls. Et en fait, il y a en réalité deux chutes Niagara. The Canadian one, of course, is prettier and better. Et il y a le côté canadien qui est plus beau et meilleur. The gorge, the valley is about 7.5 miles long. Et donc, la gorge, elle a à peu près 7,5 de longueur. Textbook says it's simple to show it's 9900 years old. Et les manuels scolaires disent que c'est facile de démontrer qu'elle a à peu près 9900 ans. No, it's not that simple. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Niagara Falls is right here. Les chutes Niagara sont juste là. It used to be up here. Et dans le passé, c'était là où il y a la petite flèche rouge. If the earth is millions of years old, si la Terre a vraiment des millions d'années ou des milliards d'années, why hasn't it eroded back to Lake Erie? Pourquoi est-ce que la chute n'a pas continué son érosion jusqu'au lac Érié? Why is Niagara Falls right there? Pourquoi est-ce que les chutes Niagara sont seulement rendues là? I have a theory about that. J'ai une théorie à ce sujet-là. About 6,000 years ago, God made everything. Il y a à peu près 6,000 ans de ça, Dieu a tout créé. 4,400 years ago, there was a flood. Et il y a 4,400 ans, il y a eu un déluge. As the flood water was running off, et alors que l'eau du déluge se retirait, about half of that valley washed out in 20 minutes. À peu près la moitié de cette vallée-là a été balayée en une vingtaine de minutes. Because there was lots more water. Parce qu'il y avait beaucoup plus d'eau. And it was not hard rock yet. Et c'était pas encore de la roche solide à ce moment-là. So it looks like 9900 years.
Donc, l'apparence nous dit que ça a 9900 ans. Now they forgot to get the right numbers. Mais ils ont oublié de calculer les chiffres comme il faut. When it rains, about 30% of the water runs into the ocean. Et quand il pleut, à peu près 30% de l'eau de pluie s'écoule jusque dans les océans. It brings with it mineral salts. Et l'eau entraîne avec elle des sels minéraux. The oceans are getting saltier every day. Et chaque jour, les océans deviennent de plus en plus salés. They could have gone from fresh water to 3.6% in less than 5,000 years. Les océans auraient pu aller de d'eau douce jusqu'à 3,6% d'eau salée de sel en moins de 5000 ans. Why aren't the oceans saltier? Pourquoi est-ce que les océans aujourd'hui ne sont-ils pas plus salés? One atheist asked me a question. Un athée m'a posé la question. He said, "How did the freshwater fish survive in the flood?" Comment est-ce que les poissons d'eau douce ont survécu au déluge? I said, "Aren't you assuming the flood was salt water?" Est-ce que vous n'êtes pas en train d'assumer que le déluge c'était de l'eau salée? He said, "The ocean is salt water." Et il a dit, les océans sont des eaux salées. I said, "It is today." Et je lui ai dit, oui, aujourd'hui l'océan est salé. But during the flood, it was mostly fresh water. Mais durant le déluge, l'eau des océans était majoritairement de l'eau salée, de l'eau douce, pardon. And since the flood has been over, it's gradually been getting saltier. Et depuis la fin du déluge, graduellement, l'eau des océans devient de plus en plus salée. And some animals have adapted to salt water. Et certains animaux se sont adaptés à l'eau salée. Today we have freshwater crocodiles and saltwater crocodiles. Et aujourd'hui, nous avons des crocodiles d'eau douce et des crocodiles d'eau salée. And they probably had a common ancestor. Et probablement qu'ils avaient tous les deux un ancêtre commun. A crocodile. C'était un crocodile. He said, "That's evolution." Et il a dit, ah, c'est de l'évolution. I said, "No, that is not evolution." Et j'ai dit, non, c'est pas de l'évolution. Changing from freshwater croc to saltwater croc is a minor change. Et de changer d'un crocodile d'eau douce à un crocodile d'eau salée, c'est un changement mineur. Especially compared to what you believe. Et spécialement en comparaison avec ce que vous croyez. You believe they changed from a rock to a croc. Vous croyez qu'ils ont changé d'un roc à un crocodile. That is a major change. Ça, c'est un gros changement. I talked to a man in Alabama last year. Et j'ai parlé à un homme qui habite l'État de l'Alabama l'an dernier. He has quite a few aquariums. Et il a beaucoup d'aquariums. He took freshwater fish and slowly added salt to their aquarium. Et il a pris des poissons d'eau douce et il a lentement ajouté du sel à l'eau des aquariums. After just 2 weeks, they adapted to salt water. Et après juste 2 semaines, ils s'étaient adaptés à l'eau salée. When he put them back in fresh water, they died in 30 minutes. Et quand il les a remis dans l'eau douce, ils sont morts en 30 minutes.